Je n'ai aucun souvenir. Ou presque. Je sais que je m'appelle Maëlle Leroy, mais ça s'arrête là. C'est comme si ma vie venait de commencer au milieu de cette ville dont je ne connais rien. Comme si je repartais de zéro, sans aucun souvenir. Comment est-ce possible? Où est ma famille? Où sont mes amis? Et qu'est-ce que je fous ici? Salut tout le monde, c'est Inès et on se trouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de notre nouveau Let's Play sur les Sims 4 intitulé Maëlle. Comme vous l'aurez compris dans le titre, Maëlle a perdu la mémoire, elle est amnésique. Et son but dans ce Let's Play, ça va être un peu de partir à la recherche de son passé. Elle s'est retrouvée à Windenburg dans une ville dont elle ne connaît rien. En fait, elle connaît rien de rien. C'est comme si toute sa mémoire avait été effacée. Comme vous pouvez le voir, elle n'a même pas d'argent. Et donc, en parcourant un petit peu la campagne de Windenburg, elle est tombée sur ce bar, le Cygne Blanc. Je tiens à vous préciser que bien évidemment pour cette partie on va jouer dans la sauvegarde que j'ai créée. Ça va être aussi un moyen pour nous de la tester, de voir un petit peu comment tout se passe. Et donc Maëlle est une pitre maladroite réticente à s'engager et apprend vite qui est liée à l'aspiration cerveau exceptionnel. Maintenant que je vous ai un petit peu tout présenté, on va pouvoir commencer à jouer. Et donc elle s'est retrouvée devant ce bar, la première chose qu'elle a envie de faire c'est de rentrer et de voir si quelqu'un la reconnaît en fait. Bon, il est 8h du matin, c'est dimanche, le bar est vide, c'est normal. Au moins il y a la mixologue, on va pouvoir se présenter avec elle. Puis elle a pas l'air de nous reconnaître ou quoi que ce soit. Des gens arrivent petit à petit dans le bar, on va vraiment se présenter à tout le monde parce que elle a qu'une envie, c'est de se souvenir. Notre but aussi en ce début de let's play, ça va être de récolter assez d'argent pour pouvoir acheter une maison. On va dire 12 000 simflouz. Je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais on va essayer. On va commencer ce périple en cherchant des grenouilles, en allant pêcher, en faisant plein de choses pour essayer de gagner de l'argent. On a donc trouvé une grenouille aubergine et elle a acquis la compétence pêche. Regardez-moi ça, je suis en train de me balader dans le quartier, je tombe là-dessus, j'adore. Dans un premier temps, ce qui serait bien, ce serait de pêcher au moins un poisson à faire griller, ou même d'avoir assez d'argent pour acheter à manger. Oh, elle a attrapé le poisson doré jaune. C'est rare ça comme poisson? Je l'avais jamais vu. Rareté commune, d'accord. Écoutez, pour le moment, la pêche semble être plutôt fructueuse, je suis assez contente. On s'arrête là, on a le niveau 3 de la compétence pêche, c'est plutôt cool. J'ai repéré des petites pierres à creuser, donc elle va faire ça tout de suite. Et elle commence à être mal à l'aise. Je sais que dans cette ville, il y a plein de buissons à pipi, donc on va pouvoir y aller, fertiliser un petit coup. Et là, il commence vraiment à faire hyper sombre. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on trouve un endroit où dormir? Écoutez, en attendant, on retourne au bar. Et c'est Kai qui a pris le relais, excellent. On va pouvoir se présenter vraiment à tout le monde. On veut savoir d'où on vient. Est-ce que quelqu'un nous connaît? Bon, et j'ai beau avoir fait une flopée de PNJ, il y en a toujours des nouveaux qui sont créés. Super, on va les relooker plus tard. Alors, où est le barbecue? Vraiment, je vois rien. C'est ce truc? Oui, absolument. On peut pas griller de poisson. Ça m'embête un petit peu. Écoutez, je pense qu'on va vendre notre guppy. On peut toujours pas. Je suppose qu'un quiche lidé, ça ne se mange pas. Ah, maintenant on peut griller. On peut pas faire du poisson grillé? Bah je suis dégoûtée. En attendant, Maëlle, elle se fait plein de nouvelles connaissances, c'est assez cool. On pourrait même éventuellement faire un baby-foot tous ensemble. Ça y est, l'amitié commence. Elle est toujours à la recherche d'elle-même, mais elle accepte de s'ouvrir un peu aux autres, et ça c'est cool. Ah, ils ont perdu, ils sont pas contents. C'est trop mignon. Ok, allez, c'est bon, je pense que tu peux t'arrêter là. N'y aurait-il pas un banc quelque part pour passer la nuit? On peut dormir là-dessus? J'ai l'impression que non. Ah, là, il y a un banc. Va faire une sieste. Elle est trop mignonne, sérieux, je l'adore. Pendant qu'elle dort, je pense que je vais vendre les poissons qu'elle a pêchés. Ce sera toujours ça en plus dans la poche. On pourrait essayer d'extraire un fossile également. Et on a perdu 10 simflouz, nickel. Refais une sieste, s'il te plaît. Finis ta nuit au moins là. Bon, son sommeil n'est pas rempli à fond, mais il est 7h33. Elle se réveille. On va pouvoir aller essayer de shipper des chips au bar. Salut! Est-ce que je pourrais avoir des chips? Quoi, on peut pas? Mais tout à l'heure, les chips, elles étaient gratuites. Ah, si, elles sont là. Au moins, on se mange un petit déj gratos. Paye ton petit déj, hein. Et ce qui serait bien, ce serait de commencer à chercher des petits boulots. Voilà. Comme ça, on rencontre un petit peu plus de monde. On élargit notre cercle de connaissances. Potentiellement, on rencontre quelqu'un qui nous connaissait. Ou pas, d'ailleurs. Alors, mademoiselle Sacha a besoin de miam miam. Il n'y a aucune compétence recommandée. Ok. On va faire ça. Ça commence donc à 9h. Donc, arrête de parler à tout le monde. Ça va être bientôt. Allez, on est parti. Et pourquoi tu cours? Pourquoi t'es pas téléportée directement? Ok, ben parfait. Elle a été téléportée directement. Et réussite. Maëlle a récupéré la commande et quelques paquets de ketchup. C'était loin d'être suffisant pour Sacha. Mais comme Maëlle a respecté le contrat, elle a été payée. Et Sacha lui a laissé une bonne
évaluation. J'ai raté le message des nains de jardin, c'est pas grave, je voulais pas en faire partie. Mais si maintenant je cherche à nouveau des petits boulots, ça a augmenté, je suis maintenant à 2 étoiles. Et puis on va prendre une prochaine mission, entretien de pelouse pour Sonia Gothic, pourquoi pas. C'est à 13h, il est 12h. On pourrait peut-être faire un petit jogging énergisé, histoire d'avoir un petit peu de compétences fitness. Ça peut toujours être utile. J'adore sa tenue de sport en plus. Et maintenant elle écrase-pouille. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. La pelouse est maintenant terminée. 13 simflouz, c'est tout. Échec. Elle a laissé des bandes d'herbe irrégulières, abîmé des arroseurs et même cassé la tondeuse. Ah oui, d'accord. Selon elle, c'était de la camelote de toute façon et elle a peut-être aussi essayé de faire porter le chapeau aux nains de jardin pour les arroseurs. Genre Sonia Gothic, elle a des nains de jardin. Oh non, elle a baissé l'évaluation. On n'a plus qu'une étoile, c'est une blague. Écoutez, on va s'arrêter pour aujourd'hui et il paraît que si on monte un petit peu la route, on peut passer par ce portail qui nous mènera à un château. Enfin, château. Donc écoutez, Maëlle, elle va y aller. Et nous voici arrivés à la propriété Von Hunt. L'avantage, c'est qu'ici, c'est comme une maison ouverte. Et puis Maëlle, elle va pouvoir un petit peu s'occuper de ses besoins. À commencer par se détendre dans un bon bain. D'accord, tu t'endors carrément, pourquoi pas. On va pouvoir également se manger un petit repas rapide. Pourquoi tu veux pas? Mais viens ici. Oh, quoique, attendez, il y a un fantôme qui fait de la bouffe, logique. On va attendre qu'elle ait fini, ça doit être trop bon là. On dirait qu'elle nous fait du pain ou un truc stylé. C'est des pâtes, c'est une blague. Mais tu m'avais donné trop faim. Au moins, c'est des pâtes faites maison. Quoi? C'est pas des pâtes? Des tortellini au faux homard? Je comprends plus rien. En attendant, viens manger ça, toi. C'est gratuit et c'est délicieux. Tout ce dont on rêve. Mais regarde pas ça comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est triste? Mange! Voilà, la nourriture est toujours une solution. Pas du tout. Oh, un chevalier! Serais-tu la personne qui me sauvera de mon cauchemar d'amnésie? T'es qui d'abord? Wolfgang Munch. Bah écoute, tu te ressembles pas du tout avec une armure. Oh, salut Geoffrey Plenosas. Pourquoi t'as l'air si en colère contre lui? Ah, mais il y a d'autres chevaliers de partout! Ah, peut-être qu'il est en colère parce qu'il voit que Jacques Villarreal est en train de draguer sa femme. Il y a moyen. Bon, tu peux arrêter de mettre 30 ans à manger, s'il te plaît, Maëlle, là. Ce serait bien que t'ailles faire un petit pipi et éventuellement, on va utiliser le lit. On fera pas tout le temps ça, hein, parce que c'est un peu facile. Mais bon, là, la pauvre, elle était vraiment tout dans le rouge. C'est vraiment moi qui suis en train de dire ça? J'ai changé, hein. Allez, au dodo. Ce serait bien qu'on fasse le labyrinthe un peu, je crois que je l'ai jamais fait. Ou peut-être une fois à tout casser. Je trouve ça hyper stylé. Normalement, si on clique sur le petit escargot, on peut errer dans le labyrinthe et ça, c'est trop cool. Et je crois que non loin d'ici, on a plein de petites plantes. Et ça aussi, c'est assez stylé. Donc bon, on verra bien ce qui pousse. Puis on pourrait essayer de récupérer un peu 2-3 trucs. Allez, il est 6h du mat, elle va pouvoir se réveiller. J'ai l'impression qu'il y a un bug avec les besoins un peu, hein. Comment ça se fait qu'elle ait pas faim du tout alors qu'elle a passé la nuit de sommeil? Normalement, après, ils ont toujours faim le matin, non? Et eux, ils sont toujours là. Et ils ont mangé tout le repas, non? Bon, de toute façon, j'ai pas faim en fait, donc je m'en fous. Par contre, elle a besoin de divertissement. On commence bien la journée, une petite danse et c'est reparti. Ça m'a fait peur le fait qu'il y ait un chevalier qui bouge pas ici et lui qui bouge. Ouais, il m'en faut peu, ouais. Par contre, il y a un petit problème là, tu lui fais un peu du séré-collé au monsieur. Maëlle, c'est pas des manières d'agir, tu viens de le rencontrer. Et surtout, c'est un ado, merde. Quand même, Maëlle. Bon, allez, on arrête ça. On va faire un petit footing. C'était ça, ton footing? Il était si court. T'as fait juste un aller-retour. Mais c'est... Non, je veux vraiment que t'ailles faire... Tu vas courir, là. Tu vas pas faire juste... Ben, voilà, elle fait deux pas et elle revient. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas une arnaque? C'est pas ça, Maëlle, courir. Et elle repart. Je comprends pas. Et là, elle se change. Non! Va courir, repousse tes limites. Ah, demain, c'est le jour de la créativité. Et ça, c'est assez cool. Elle vient de croiser un vampire au calme. Y a pas de problème. Et tu cours jusque dans la maison. Tu sais qu'il faut pas courir dans les manoirs comme ça. Tu vas te faire crier dessus après. En même temps, y a personne pour lui crier dessus, donc c'est pas plus mal. Va prendre un bain. Va faire un petit pipi aussi. Et après, à nouveau, on va essayer de chercher des petits boulots. Voilà, pour le moment, on trouve pas une vraie carrière. Personne la connaît. Elle non plus. Elle a pas vraiment de papier. Elle veut pas se faire embaucher. Donc on va continuer avec nos petits boulots. Oh, pêche niveau 3. Alors attendez. Il voudrait avoir un maï-maï. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je trouve un maï-maï et que après je lui envoie ou que je vais aller pêcher? Je sais pas. Bah du coup, on va peut-être plutôt faire la préparation de carton pour l'instant. Et elle s'en va tout de suite. Mila Munch, salut Maëlle. Que dirais-tu de rejoindre le groupe Les Habitués? Ben, je sais pas trop. On verra plus tard. Pour l'instant, non merci. On essaye de se faire des thunes. Réussite 84 simflouz, bravo Maëlle. Est-ce qu'on peut faire un autre petit boulot vite fait? Et à la limite, on regarde pour le maï-maï. Échéance mercredi. Ah mais donc on doit le trouver. Laisse tomber, on supprime. Sims n'a pas apprécié ce comportement de Girouette. Est-ce qu'il m'a mis une mauvaise note? Je veux pas de mauvaise note. J'ai à nouveau une mauvaise note, c'est une blague. Écoutez, je pense que ça va être tout pour les petits boulots du jour. Oh, un gâteau. Va prendre un morceau tout de suite là. J'espère qu'il est bon. Oh, il est bon pour elle. Délice aux fruits. Mais parfait. Tu peux le mettre dans ton inventaire, tout à fait. Tu vas le garder avec toi. Je pense qu'en plus ça se conserve très bien. Ai-je raison, ai-je tort? Cet objet ne peut pas être vendu ou supprimé, très bien. Il a été fait par Maddie Weston. On devrait peut-être aller la remercier, elle est où? Maison de Maddie, youhou. Je la trouve pas, pourquoi je la trouve pas? Là, c'est là. Bonjour.
Bonjour. On va frapper à la porte. Besterling, non, je ne réponds pas aux inconnus, voilà. Salut. On va faire une petite présentation amicale, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle s'en va? Maddy, elle a encore fait de la bouffe en plus. Mais quelle perle. On va se présenter, on va la remercier. Merci pour le gâteau. On peut prendre une petite portion de tes patates là? Elles ont l'air drôlement bonnes. Peut-être aussi qu'on peut toutes devenir amies. Oh, regardez, elles sont trop mignonnes là, toutes les trois. Ah, mais elles sont devant un film, j'avais pas vu. Ah bah il est fini, d'accord, très bien. Alors écoutez, tant qu'on est chez quelqu'un, j'aimerais bien qu'on s'entraîne à faire un discours pour améliorer la compétence charisme. Parce qu'il faut savoir que pour pas mal de petits boulots, j'ai remarqué qu'on avait besoin du charisme, donc on va essayer d'améliorer ça. Bah, quoi? Eh ben non, on est de partir pour faire pipi, mais t'as pas d'autre toilette dans ta maison, toi? Écoute, on va s'entraîner à faire un discours là-haut, hein. Me dis pas qu'elle va me virer encore. Non, elle va dormir, très bien. Ok, déjà on a le niveau 2, c'est pas mal. Par contre, elle commence à être un peu fatiguée. Je suppose qu'elles nous en voudront pas, les filles, si on dort un peu sur leur canapé. On se connaît maintenant, hein, voilà. On n'a pas élevé les moutons ensemble, mais quand même. On a partagé des bonnes patates. Et ça y est, aujourd'hui c'est le jour de la créativité, donc il faut faire des jeux, faire de la cuisine, de l'art et de la musique, et raconter des histoires. Écoutez, j'aimerais bien nettoyer tout ça, mais après ils vont me dire que c'est inapproprié, donc je préfère ne rien faire. Elle est en train de manger sa part de gâteau. Au moins on commence très bien, on peut pas faire la cuisine du coup nous ici, sinon ça va être inapproprié. Art et créativité, éventuellement, si ça ne vous dérange pas, je vais faire une petite toile représentant un Sims. Ça va me coûter 100 simflouze, ça fait mal aux fesses, mais j'espère qu'elle sera très belle. Vous pouvez voir quand même que Maëlle est très touche à tout. D'ailleurs il faut qu'on lise 3 livres et qu'on atteigne le niveau 3 de la compétence logique, j'aurais peut-être dû me concentrer là-dessus aussi. Waouh, t'as essayé de représenter qui là ma cocotte? C'est moi? Regardez les cheveux et tout, ça me ressemble. Vas-y Maëlle, je suis fière de toi. C'est pas comme si tu me connaissais, mais bon. Ah, ça coûte que 95 simflouzes! C'est honteux! On va la vendre à un collectionneur, on a perdu 5 simflouzes. Bon, ça va. Le chemin de la gloire, je ne crois pas, non. J'ai pas du tout prévu que tu sois célèbre, ma cocotte. Donc tu vas te calmer. On a des grenouilles un peu par là. Non, on peut aller pêcher par contre. Va pêcher un coup. Parce qu'à la base, faut quand même qu'on gagne 12 000 simflouzes, hein. Oh, elle a les pieds dans l'eau, c'est excellent! Ces 12 000 simflouzes nous permettront donc d'avoir nos papiers pour pouvoir avoir un emploi. Ce serait quand même pas mal. Et ça nous permettra aussi de nous trouver notre petite maison. Donc Maëlle, j'aimerais que tu te sentes un petit peu plus impliquée dans ta vie, hein. Bon, attendez, il est 15h, on va vite faire regarder les petits boulots. Cuisine niveau 1, mais on n'a pas du tout de niveau de cuisine, c'est ça le problème. Bricolage, pareil. Des grenouilles, j'ai pas envie. Entretien de pelouse. Fitness! Partenaire de randonnée, oui! Ça, j'ai la compétence fitness au niveau 2, je crois. Fitness 1. Non, non, arrête de manger. Arrête de manger, tu vas courir tout de suite. Je veux le niveau 2! Sinon on va se faire engueuler. Allez, on a le niveau 2, nickel. Elle a arrêté de courir, elle est partie en randonnée maintenant. Oui, 105. Même si cette expérience a été agréable pour les deux Sims, Maëlle l'a sûrement encore plus appréciée, car qui n'aime pas recevoir de l'argent, jackpot. On a eu une amélioration dans notre évaluation petit boulot, ça c'est cool, et 105 simflouzes. Est-ce que c'est encore l'heure pour les petits boulots? On va essayer d'aller entretenir la pelouse de Rage, même s'il habite en appartement, c'est totalement illogique. C'est quand? 20h mercredi. Toujours plus tard pour la pelouse, hein. T'as acquis la compétence... Ah, mais c'est bien, c'est vrai qu'on peut avoir la compétence jeu vidéo avec le téléphone, j'y avais pas pensé. Attendez, mais elle... Mais combien de temps à tondre une pelouse là? Une pelouse d'appartement en plus, tiens à lire. 3 heures, très bien. Pour une propriété au bord de la plage, ah bon? Non mais... Ça n'arrête pas de changer. Il y avait une quantité étonnante, voire magique, d'herbe dans le jardin. Malgré cela, Maëlle a fait une coupe d'une précision parfaite à cette pelouse au grand bonheur de Rage. On a eu 69 simflouzes, oh oh. Et quelle est notre évaluation? On ne peut pas savoir, très bien. Par contre, Maëlle, là, elle est crevée et elle pue. Je veux un banc, s'il vous plaît, un banc. Voilà, je vois rien en plus, c'est génial. Y a pas de l'éclairage quelque part pour que je trouve un banc? Alors attendez, peut-être même qu'on peut dormir dans un buisson. Ça, j'ai l'impression de voir que c'est un buisson, faire une sieste. Le jour férié de la créativité était horrible. Et bah écoute, on a rien pour l'instant, donc tu vas pas te plaindre s'il te plaît? Ah mais on pourrait vendre nos poissons d'ailleurs. Bon, les tulipes aussi en vrai. Et bon là Maëlle pue le mort, mais je voulais voir ton évaluation. Donc, que 2 étoiles? Là il y a des meubles à déplacer, on va faire ça très vite. Elle est vraiment crasse-pouille là, la pauvre. Je suis désolée Maëlle. Allez, elle part travailler tout de suite. On a gagné 115 simflouz, c'est génial. On va à nouveau trouver des petits boulots. On a 3 étoiles! Il a besoin de miam miam, on peut faire ça. Fitness niveau 3 pour elle. Oh c'est relou. Du coup en attendant que t'aies le petit job, ce serait bien que tu joues à un petit jeu vidéo, comme ça t'améliores ta compétence. Réussite, 36 simflouz, c'est tout. Non mais oh, tu me prends pour qui là? J'ai 3 étoiles sur ce site, ok? Je vais te payer plus. Mixologie niveau 1. Écoutez, on est devant le bar, on va y aller. On va tenter d'améliorer un petit peu notre compétence. On peut pas le virer lui? Mon coco, tu peux t'en aller s'il te plaît? Vas-y, à s'asseoir et discuter ici. Tu veux pas venir t'asseoir avec moi? Tu peux pas t'entraîner à préparer des boissons, c'est une blague. Si! Oui! Elle a réussi! Elle est tellement forte! Elle a acquis la compétence mixologie. Donc maintenant, normalement, si je ne m'abuse, tu as le niveau 1. On va pouvoir donc arrêter tout ça et faire le petit boulot. J'ai confiance en toi. Allez, on y va. Par contre, elle est crevée et elle pue. Va te laver.
laver les dents et les mains, là, déjà. On gaspille de l'eau, mais au moins, on sera plus propre. Regardez-moi ça, comme l'hygiène est remontée, c'est magnifique. Et elle a terminé. Elle a gagné que 18 simflouz, échec. Mais non. Comment Maëlle aurait-elle pu savoir que les boissons rendraient tout le monde terriblement malade? Mais Maëlle, tu me déçois. Tu me déçois beaucoup. Et en plus, elle s'évanouit. Écoutez, c'est sur cette belle image que je pense qu'on va arrêter cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à laisser un j'aime ou même vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye!